Salut à tous, Eric Legault de chez Galago Music. Voici donc la pastille flash info de la semaine concernant l'opération Kiss Kiss Bank Bank. Vous savez, il s'agit du financement participatif concernant le spectacle Camino, qui est une pièce de théâtre pour laquelle j'ai écrit la musique. Je joue également dans cette pièce, hein, sur scène, et qui était écrite par Fabrice Talon. Et nous avons donc lancé une souscription pour savoir si des gens seraient intéressés pour soutenir ce projet. Voilà, donc vous avez toutes les infos sur la page Kiss Kiss Bank Bank. Vous aurez toutes les infos également sur la boîte de description YouTube. Et donc, je voulais vous dire que ça n'a pas tellement avancé cette semaine. La semaine dernière, on était à 39%. Ce qui était pas mal du tout. Et cette semaine, on est à 42%. Voilà. Donc, on a encore jusqu'au 10 mars. Voilà, avant de boucler l'opération. Donc, de toute façon, après, on fera vraiment avec ce qu'il y a. Mais il y a janvier qui est passé, il y a eu les soldes, il y a le tir prévisionnel, il y a les vacances, il y a plein de trucs et tout. Donc, voilà, je ne presse personne. Hein, mais voilà, si vous le pouvez, bah, merci beaucoup. Je tiens à remercier également Roland B de Cagnes-sur-Mer. Salut Roland, qui nous a envoyé un chèque par voie postale. Donc si les transactions par carte bleue ou tous les trucs par internet vous effraient un petit peu, il y a toujours moyen effectivement de participer en souscrivant via un chèque au nom à l'ordre de Fabrice Talon. Fabrice Talon, c'est donc l'auteur de la pièce, hein, la personne avec laquelle je joue. Et envoyez ça à l'adresse de la Galago School, c'est-à-dire Galago Music, 5 à Pascanard, 75012 Paris. Voilà, ceci est donc la dernière vidéo, hein, concernant Kiss Kiss Bank Bank. Après, je vous embêterai plus avec. La musique que vous avez pu entendre derrière, c'est une des musiques du spectacle. Justement, on s'est dit avec Fabrice que c'était pas mal de vous montrer que ça joue pour de vrai, quoi. Donc, je vous laisse avec quelques petites images éventuellement sur la fin là, de ma pomme en train de jouer de la gratte, histoire de justifier quand même qu'il y a des guitares dans le dos. On m'a déjà dit, ouais, quand t'as pas de guitare et tout, on comprend plus ce qui se passe. Donc, guitare.